ça m'énerve. C'est la cinquième fois sur 10 que je dois faire une intro et Et d'ailleurs, du coup, juste avant d'aller faire ce niveau-là, on va aller choper le CD. Nous voici arrivés au moment fatidique. Voilà. Voilà. C'était chiant, mais comme ça, c'est fait. C'était récupéré, on est content, maintenant on va pouvoir commencer le vrai épisode. Oui, oui, ah oui! Bon. Eh bien, c'est un niveau de glace. Oh oui! Oh, je sens qu'il va être super bien ce niveau. Alors. Oh, y'a rien. Oh non, le retour. Je les aime pas, hein. Non, je les aime toujours pas. Comment faire pour le. Comment on fait? Oh putain. J'y ai cru, mais. Non. Oh, là je fais une grosse erreur. Fais chier, laissez-moi revenir en arrière. Tant pis. Ok, ça te congèle la gueule ce truc. Il a un rhume de gros bâtard, c'est un gros dégueulasse. Il t'éternue dessus. Attendez, c'est quoi ce bruit là? Ah, c'est le bruit quand tu glisses. Mais il est horrible. Voici Wario boule de neige. Ah ouais, vraiment Wario boule de neige quoi. Et ça je suppose qu'on peut les péter en mode boule de neige justement. Merde, je les ai niqués dans un sens mais je me les prends dans l'autre. C'est un peu con ça. Prends cette porte. Prends cette porte. Pardon. C'est déjà chiant hein. Oh, attendez, je t'ai vu. Dans l'ancien épisode, j'ai raté le tuyau violet. Ah, j'ai encore le seum. Alors. D'accord. Quand il y a un cristal de verre, on dirait que c'est l'ASMR chewing gum là. Je pense qu'il faut l'envoyer là-dessus. Oui. Waouh, c'était tellement difficile. Bon. Oh putain, mais si j'avais des esquives comme ça tout le temps, mais le jeu serait tellement plus facile. Oh, oh non, avant que tu te retournes. Oh non, bah non, voilà, bon. La clé. Déjà? Ok. Aïe. C'est bien ce que je pensais, c'est la porte. On va faire tous les autres chemins d'abord. Parce qu'on a du temps. Moi, j'avoue, j'ai fait aucun effort. Hop. Bon, en fait, j'en ai un. Oh non. Je peux tracer, c'est bon. Waouh, merci Wario, c'était vraiment utile. Je suis plus... Ouais, tout en haut. Non. Si je prends le bon chemin du premier coup, parce que je m'en rappelle plus du tout, je finis le jeu à 100%. Claque au sol. Ça va, je m'étais pas risqué à beaucoup, hein. Mais c'est passionnant, ça fait une boucle. Oula, c'était pas là que je voulais aller. Aïe. Pas faire le mec trop skillé non plus parce que je vais me prendre une saloperie et je vais rien comprendre. Ouais, non, c'est. C'est le moment esquive. Boum, je t'ai niqué. Oh. Oh non. Non mais. Tiens, ta face. Ok. Je vais où? Parce qu'il y avait juste 10 000 chemins en fait. Non. Oh là là. Ah si, je peux aller là. Où est-ce que ça mène? Très bien, donc en fait ça a juste tout découvert quoi. Par contre, j'ai juste oublié un petit truc en bas. Je peux faire une roulade là. Oui, j'avais bien raison de le faire. Du coup on peut s'amuser à le faire une deuxième fois. Alors qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il y a encore plein de chemins. C'est carrément niveau labyrinthe. Oh oui.
Alors. Si c'est ce que je pense. Oh là là. Là. Raté. Il faut atteindre ça. Ce chemin là. Est-ce que je peux vraiment sauter? Je peux pas sauter au dernier moment, c'est pas normal. Non, je peux pas. Attends, il y a un truc derrière. Non? Non? Je sais pas. Oh là là, truc relou. Oh, j'y étais là. Voilà, là c'est. Les deux gardes du corps un peu nuls. Voilà, et en plus vous êtes nuls. Oh, vous êtes grave nuls quoi. Ah, moi aussi. Bon bah tant pis. Je suis là. Oh là là, mais sérieux, c'est à la dernière frame possible. Bon, est-ce qu'on a tout eu? Non, il y a encore là. Oui, oui. Oh, tous les morceaux. Bon, on a plus que le dernier à faire. Voilà. Grenouille. 3 minutes 30. Eh bien, monte l'échelle et on va se casser le cul. Et si je prenais ça, ça me sera peut-être utile. Allez Wario! Qu'est-ce que je viens de faire? Alors, on va essayer de les éviter. On va essayer de les niquer aussi. En fait, c'est la même autodestruction que pour le niveau d'avant. Pour la déchetterie, c'est pareil. Ah putain, mais en plus ils font super mal, regardez, ils me virent toute ma santé. Tu m'auras pas. Mais regardez, moi ça, c'est quoi ce parcours du combattant? Non! Bon, mais bah... Oh, bien! On peut les péter avec la boule de neige. Allez, c'est parti. Opération, éviter tous les gros porcs qui m'éternuent dessus. Surtout, vous pressez pas. Hein. Bon, ok, bah voilà, on a déjà fait une fois le tour, mais il faut refaire pour le CD. Et voilà, c'est là que j'ai déconné, j'ai pas cassé le bloc et du coup je dois refaire tout le tour, c'est génial. Si j'avais pété le bloc ici, j'aurais pas été obligé de faire ça. Une deuxième fois, et en plus, voilà, je tombe en boucle parce que c'est drôle. C'est drôle. Rate pas. Ok, c'est bon. Et là, du coup, faut que je... Sans glisser... Voilà. Et je ne peux évidemment pas y aller. C'est trop drôle. 1 minute 30, ça me semble très court. Je vais foncer ma race. S'il faut que je refasse le tour, je suis tellement mort. Non, pas ça. Non, ça, évidemment, je crève. Dépêche-toi. Ok, là, je rigole plus du tout. Ça va pas être très drôle. Oh, mais oui, mais bien sûr! Il manquait plus ça! J'ai 30 secondes, il faut que je remonte! J'ai les monstres encore! Je les ai pas butés! Oh, s'il te plaît, j'ai pas envie de refaire tout le niveau! J'ai pas envie! Allez, c'est parti, on est revenu au même point que là où je suis mort. Avec 1 minute, donc on a le temps quand même de... Voilà, avec 3 cœurs. Un petit peu plus d'attention quand même à la santé, parce que je m'y attendais tellement pas en fait. Voilà, on peut faire ça. Et voilà. Voilà comment ça devait se passer, et comment ça ne s'est pas passé. Mais bon, tout va bien, j'ai les 4 morceaux de joyaux, j'ai le CD, et j'ai perdu tous mes points. Bon, on va passer au niveau suivant qui est un flipper. La zone flipper.
Je vais pas vous expliquer le principe d'un flipper, sinon c'est vraiment que je me fous de votre gueule. C'est pour ça d'ailleurs que je vais l'expliquer. Wow, c'est une putain de bagnole. Qu'avons-nous ici? À part des tronches débiles et des espèces de chaînes en un bloc, je sais pas. Ouais, donc c'est un vrai pinball. Mange. On dirait des espèces de petits becs. Des petits becs de piaf. Tu leur donnes à manger. Par contre, je suis en train de me dire... Putain, la boue coincée au bon endroit. Attention. Mange. Bon appétit. Ok, et entre chacun des flippers, il y a un passage dans ce... truc-là. Vraiment, cet ennemi, il m'inspire tellement la haine. Deuxième flipper. Oh non. Tiens, reviens là. Il revient pas, il revient pas. Et c'est un tuyau violet. Qui dit tuyau violet, dit... rapidement. Hop. Hop. Un diamant de plus. Oh non. Wario immolé par le feu, mais il revient tranquille évidemment. Ok, donc je vais essayer d'être attentif à chaque pinball. À chaque pinball, parce que il va y avoir des secrets partout. Voilà, il y en a encore un là. Elles sont où les bouboules? Et où sont les boules? Là. Je croyais qu'il réapparaissait pas moi. Je suis pas entré dedans. Ah, un morceau de joyau. Passons à la suite. Encore un petit passage comme ça. C'est... Oh non. Mais pourquoi j'ai reculé? Pourquoi j'ai foncé? Oh, je suis nul. Je suis surtout con, ouais. On dégage. J'avais pas remarqué aussi, mais il y a les retours des petites plateformes. Ok, lui c'est fait. Il est pas rentré. Oh non, ils réapparaissent pas. Merde. On va le faire en premier, voilà. J'en ai sûr. Si je les tue pas par accident. Ou... Allez. Et le troisième morceau de joyau. Oh là. Oula, j'ai eu peur. Attends, tu vas venir avec moi, toi. Ok. Encore un tuyau violet. Qu'est-ce que ça coque ces bordels? Oh, miam miam miam. Et hop, en plein dedans. Non, il est tombé en dessous. C'est bon, je l'ai eu. Non! Je ne l'aime toujours pas ce monstre. Il me casse les couilles. Oh, je vais vous le céder. Oh non. Sérieux, ça met 3 ans à descendre. Oh, j'ai vu la grenouille. Par contre, j'arrête pas de me faire agresser violemment là. C'est également le retour de ces salopes. Mais sérieux? Oh, faut arrêter là. Tiens, tu veux me servir toi? Oh putain, non, ça marche pas. Quoi? Je suis en train de me faire bouffer ma santé royalement. Tu vas aller dedans ou non? Heureusement, il y a un petit cœur là. Ce bonus il va être super bien, regardez la vie, regardez. Faut être prudent parce qu'il retombe à chaque fois. Comme ça. Ah mais non, on s'en fout. Voilà, ça m'arrange bien ce truc quand même. Hein. Allons-y, meurs. Mais ils sont trop... Et ben voilà, ça nous fait les 4 morceaux. Merci le hasard, heureusement que j'ai vraiment eu la haine de ce monstre pour le défoncer tellement fort que... Non! Oh, c'est mérité. Hein. Et le dernier, il est en dessous. Non, 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 non. J'ai réussi, toi bien. Oh, il y a la clé à gauche et à droite, la grenouille d'autodestruction. Trop bien. Comment on a la clé? Ça va, tu traverses les murs, vraiment, mais à ce point-là, quoi. Allez, c'est parti.
5 minutes 15. Je suppose qu'on va avoir des pinballs pendant l'autodestruction, c'est bien. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Comment tout ça se présente? Eh ben déjà, toutes les boules sont là. Il y a un milliard de trucs d'électricité. Alors, on se souvient du niveau avant, hein, où j'avais plus de santé et que je suis mort comme un gros naze. Surtout qu'ils te font perdre 500 de points. Putain, l'abus. Et en plus, il y a des piafs. Alors oui, bah oui. Faut vraiment me mettre tout ce que je déteste au plus haut point. Regarde-moi ça. Non, je l'ai fait tomber au mauvais endroit. Non, c'est pas là, c'est pas là. Monte, c'est là. Il y a les petits pointillés pour montrer. Pas un truc là? Oh, oui. Je vais peut-être me dépêcher quand même. Je vais balancer là-bas. 3050. Le temps passe très vite quand même. Hein. Je vais me dépêcher. Même si évidemment j'ai envie d'avoir tous les points. Bon, c'est bon. Allez. On se barre tout de suite. Si on en a plusieurs après, c'est mort. Hein. Après, on est comme des cons. La clé, c'est bon. Ok, allez, dites-moi que c'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Hein. Alors, il y en a un ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Ok, on libère lui. Je vais l'emmener directement là-haut. Voilà, et maintenant on va chercher le deuxième. Coucou. Oula, ouais. Heureusement que j'ai eu le bonus avec les cœurs. Hein. Là, alors là, encore un truc du cul. Bon, les deux sont là, parfait, super. Je les fais tomber pour gagner du temps. Et tiens, en attendant que je fasse le pinball là, ce midi j'ai fait des frites et la friteuse en fait elle était trop chaude. Du coup toute l'huile elle a débordé, puis ça a pris le feu sur ma gazinière et puis ma cuisine elle est morte. Oh, cette musique est tellement stressante. Regarde, il tourne à droite et à gauche. Ah ouais, on redescend tout le niveau en fait. Oh, portée de sortie. Ça va, le temps de l'autodestruction il est moins radin que le niveau d'avant. J'ai mes 4 morceaux de joyaux, j'ai mon CD. Ah, ça fait du bien. Ça rattrape l'échec du niveau précédent quand même. Et bah il est très cool ce niveau. Il est très cool. Et ça y est, on va s'attaquer au boss de cette partie là du jeu, le Cocoon Condor. Le retour du chat, alors qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Et bon, aujourd'hui, on va lui faire écouter de la musique. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais... La dimension horrible, même moi, j'entre pas là-dedans. Salut! Oh, putain de merde! Exceptionnel. Bon, 3 minutes. Alors, j'avais vu un commentaire me disant... Putain, mec, il faut vraiment que t'aies tous les coffres. Eh ben, je vais tout faire pour les avoir tous. Bon, a priori, on a juste besoin de lui renvoyer son bras mécanique dans la gueule. On n'oublie pas la santé. On va y aller tranquille. Juste essayer, voilà, de pouvoir l'enchaîner comme ça. Sans... Alors, oh, déjà la deuxième phase. Tous les boss, ils ont vraiment une gueule de fou, quoi. Ouais, voilà, faut le toucher en haut. Ah non, ça c'est... Non. Faut que je puisse l'enchaîner parce que c'est piou-piou. C'est le danger. Bam, 2 coups d'affilée. Allez. Oui. Oh là là, je l'ai tellement torché. Bon, c'est un peu de la triche parce qu'il y avait le bonus avant, mais bon. En plus, il me reste 2 cœurs. Et tout ça, ça conclut la moitié du jeu. Ça y est, on a terminé le passage Ruby. Incroyable. Oh là, il y a tel vieux qui dort en haut à gauche. Pour finir ce superbe épisode, on va aller écouter quelques superbes CD. Des titres vraiment remarquables. C'est clairement la musique du premier niveau à l'envers, non? De toute façon, sur Vega, je pourrais vérifier si c'est ça. Bon bah, hein, à la prochaine.